Bonjour, je vais vous présenter une petite activité manuelle à réaliser pour, avec vos enfants, donc la réalisation d'une poule à l'approche de Pâques. Alors pour cela, il vous faudra des feuilles de papier, donc blanches et rouges. Si vous n'avez pas de papier de couleur rouge, je vous conseille avec un feutre de faire un petit carré rouge sur la feuille blanche. Il vous faudra des cercles de démaquillant. Si vous n'avez pas de cercle de démaquillant, vous pouvez faire des cercles dans la feuille de papier blanc. Ensuite, de la colle, ciseaux, papier pour tracer, des petites cuillères en plastique ou grand modèle et des feutres. Donc, pour moi, gagner un peu de temps, j'ai prédécoupé donc les éléments pour réaliser la poule. Donc, dans un premier temps, vous découpez une crête, donc soit dans la feuille rouge si vous avez, soit dans le petit carré rouge. Vous mettez de la colle au bout de la cuillère. Et là, vous venez poser la crête. Comme ceci. Ensuite, j'ai découpé donc un triangle rouge pour faire le bec. Vous venez positionner donc à peu près ici dans le centre de la cuillère un petit point de colle qui vous permet de poser le bec. Voilà. Ensuite, à l'aide d'un feutre noir, vous faites les yeux. Dans un second temps, vous allez réaliser les ailes. Donc moi, je vous conseille, pour garder la proportionnalité, de prendre le cercle blanc qui sert de corps, afin de pouvoir tracer les ailes pour garder la proportionnalité de la poule. Et vous raccordez. Et là, vous coupez, ce qui vous donne ceci. À l'aide du feutre noir, vous faites les ombres, ce qui vous donne l'aile de la poule. Ensuite, vous prenez le cercle et vous venez y mettre de la colle. Donc la colle, vous pouvez prendre la colle liquide ou la colle en stick, hein, ça fonctionne aussi. Et là, vous venez poser les ailes dessus et ensuite vous venez poser la poule, le corps de la poule, comme ceci. Ensuite, vous prenez le deuxième cercle, vous mettez de la colle dessus, même opération, et vous venez recouvrir pour faire le corps. Donc pour l'instant, ça vous donne ceci. Moi, donc, j'ai découpé dans la feuille rouge ou dans le carré rouge un petit nœud papillon, pour dire de l'habiller, hein. Que vous venez coller donc sur le corps de la poule. Et ensuite, à l'aide de feutre, vous pouvez lui faire des petits boutons. Voilà. Si vous n'avez pas de papier rouge, vous pouvez aussi dessiner le nœud papillon. Et le résultat vous donne une petite poule de Pâques à réaliser avec vos enfants. Prenez soin de vous et surtout, restez chez vous.